Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par une anecdote. Nous sommes en 1996, Jeux olympiques d'Atlanta. Je suis en train de regarder le match de basket États-Unis-Angola. Deux adolescents se présentèrent à moi. L'un, grand, de mon soeur. Je suis boy, de mes 7 ans de basket. L'autre insiste. Non, grand, faut que nous. Allez-y alors. Grand, on veut que Bok Oscar des vacances. Il nous faut un manager. Tu as un khalat. Si, boy, j'ai d'autres chats à fouiller, quoi. Non, grand, il faut que tu donnes ton manager. Que tu le veuilles ou pas, tu le seras. Boy, je ne sais pas. Et d'un ton autoritaire, l'un des deux me dit que Yaya donne son manager, grand, parce que non. Cette personne autoritaire n'est autre que Mamoudou Wali Diouf. J'aimerais que vous l'applaudissiez pour ça. Alors, quand il m'a demandé de présenter sa séance de dédicace, je n'ai pas une seule fois hésité, parce que c'est une fierté pour moi, c'est un honneur pour moi. On a longuement cheminé, de 96 à aujourd'hui. On a souvent discuté, nous avons énormément échangé. Mais jamais une seule fois, je n'ai senti qu'il avait en lui des qualités d'un littéraire. Ma surprise fut grande quand un dimanche soir, en regardant la RTS, je l'ai vu présenter son roman « Colorban City ». Je n'en revenais pas. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Ah, mais boy, y'a l'air de télé. Un grand manlequin. Oh, c'est pas vrai. Hana, tu as eu un nègre qui a écrit pour toi, mais non, mon nom. Ce n'est rien d'autre que le fruit de mon imagination. Je lui ai dit, non, j'aimerais bien lire ce roman. Le lendemain, je passe chez lui, je me procure le roman. Les premières lignes, j'ai été totalement séduit par la qualité de sa plume. C'est un roman superbe et je vous le recommande. C'est de la qualité. Et dans un essai ou dans un essai que nous ne nous empruntons pas trop, nous autres littéraires, c'est le genre policier qui est très rare de voir un Africain produire un roman du genre littéraire en parlant des histoires aussi qui nous concernent, notre quotidien. Je pense que rien que pour cela, nous lui devons reconnaissance et surtout beaucoup d'encouragement. Croyez-moi, on parlera encore de lui. Ce coup d'essai est un coup de maître. Mamoudou Wali Diouf, pour reprendre un de nos amis communs, parce que dans Navajo NBA, où il était acteur, danseur, il y a eu d'autres grands noms de la scène culturelle sénégalaise. Parmi eux, je citerai dans le désordre Karloudi, que vous connaissez très bien. Il y a eu Mami Mbaye, Yaye Ndiémé Sam et tant d'autres, mais également Diakha qui est là présent et qui est toujours en compagnie de Karloudi, et ils font de très bonnes choses aussi bien sur le plan local que sur le plan international. Un de nos amis communs disait un jour, en Afrique, la tradition elle est orale, personne n'aime écrire, et quand un Africain produit un livre, ça devient un événement. Et croyez-moi, vous avez créé l'événement. Vous avez créé l'événement Wali. Et la présence des responsables, des autorités, de la trempe du maire des passés assainis, M. Djamil Sané, que je vous demande d'applaudir très fort. Du maire Jean-Baptiste Diouf de Grand Dakar également parmi nous. Et ce n'est pas tous les jours qu'en présentant votre roman, vous avez une assistance de cette qualité. C'est parce que certainement, dans sa vie et dans sa trajectoire, il a été quelqu'un de très correct, de très poli pour pouvoir réunir autant de grandes personnes dans cette salle. J'ai l'habitude de faire des présentations et ce genre d'événements, mais rarement je vois un public de cette qualité. Rien que pour cela, je pense, ça prouve beaucoup que c'est quelqu'un de très bien ancré dans nos valeurs sociétales. Et dans son livre, il en parle beaucoup. Moi, je ne vais pas faire le résumé du livre parce que je vous obligerai à vous le procurer.
il faut que, avant que chacun d'entre nous quitte cette salle, se procure le roman qui est en vente derrière. Et lui, à la fin, va vous faire des séances de dédicace. Je ne vais pas maintenant tirer en longueur. Je sais qu'on est samedi. Les week-ends, on préfère passer la journée avec nos familles. Et pour cela, j'aurais gentiment demandé à M. le maire de passer à Séni, M. Djamil Sané, de venir nous laisser le mot de bienvenue. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vous tiens le micro. Chères autorités ici présentes, avorant titre et grade, chers invités, bonjour et soyez les bienvenus à la commune des Parsalassini. Surtout les bienvenus pour pour mes esclaves sérieux qui sont là. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté de présider cette cérémonie de dédicace de notre illustre écrivain Wally Diouf, dont le roman s'intitule Call of City, le réveil de Yadikon. L'écriture, qui est un prolongement et une consolidation, est un acte de générosité et d'engagement. À cet acte doublement significatif de certains de nos concitoyens, notre devoir est de répondre par une disponibilité agissante. Ce digne fils de Guilor Didiac est également un fils de Parsalassini et nous en sommes très fiers. Son ouvrage est d'une originalité au regard des thèmes traités et rime parfaitement avec les réalités actuelles de la société et particulièrement celle sénégalaise. Call of City, le réveil de Yadikon, un roman de 5 chapitres. Chapitre 1, le chômeur désespéré, où il parle de cette phobie que traversent nos jeunes diplômés dans une société où l'employabilité des jeunes pose problème. Chapitre 2, l'initié, où Yadikon intègre un groupe de malfaiteurs. Chapitre 3, les sacrifiés, où il prend conscience que son réveil est impératif après avoir emprunté la mauvaise voie, malgré le peu de garanties qu'offrait la société pour les jeunes de la République de Call of City. Chapitre 5, le nouveau départ, où il entreprend en prenant son destin en main afin de participer activement à l'assainissement d'une société sapée par le banditisme, la drogue et j'en passe. En outre, à travers cette œuvre, on remarque l'identité traditionnelle de son auteur, un Africain et de surcroît un Sénégalais ancré dans ses origines, d'où le choix des noms tels que Yadikon, Sassoum, Magoum, etc. On remarque également son choix de rebaptiser les rues avec des noms d'illustres dignitaires de ce pays pour une promotion de leur vécu, afin que les générations présentes et futures s'en souviennent. C'est dire donc que M. Diouf mérite tous les honneurs du monde, car la qualité de son ouvrage relève d'une pure œuvre littéraire, alors qu'il est un économiste, un technicien supérieur en comptabilité, un bachelor business en administration, d'où son invitation officielle du Salon du Livre de Paris de 2023. Et j'en profite pour vous demander solennellement qu'on l'applaudisse. Félicitations à M. Diouf et sachez que la municipalité et la population parcelloise sont très fiers de vous et vous souhaitent plein succès et de réussite. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le maire.
pour la qualité de votre discours. Nous donnons maintenant la parole au maire de Grand Dakar, M. Jean-Baptiste Diouf. Le protocole est mal fait. Je ne devrais pas parler avant le maire de Parcelles Assini. Même si on me donne la parole, je parle au nom de la famille, parce que Mamadou Ali Diouf est un neveu à moi. Mais c'est normal, c'est mon aîné. Merci. Quand nous sommes ensemble à la ville de Dakar comme conseiller, et je l'appelle le petit maire, parce que c'est les nouveaux qui sont arrivés, alors que moi je suis là depuis trop longtemps. Voilà. Monsieur le maire, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les parents, amis de Mamadou Ali, chers invités, je suis heureux d'être là parce que j'ai vu un neveu qui a dépassé son oncle. Je n'ai pas encore écrit un livre. Lui, il est venu, il m'a dépassé de loin et il ne l'a pas fait comme ça par hasard parce que c'est un petit-fils de Senghor. Il est de Guilor, donc c'est normal qu'il puisse écrire. Et comme l'a dit Monsieur le maire, il est passé de la comptabilité, de l'administration pour aller vers l'écriture. C'est rare. C'est rare. Et cela montre que c'est un garçon très entreprenant, très lucide et qu'il faut encourager. Je l'ai connu jeune, je l'ai trouvé, il a travaillé dans la même boîte que moi. Bon, j'étais parti déjà 20 ans après, je le voyais tout le temps en train de s'affairer quand je venais dans cette société et je savais qu'il allait réussir. Et il ne peut pas ne pas réussir parce que ses parents sont des gens qui sont bien, il est de bonne famille et s'il suit la trace de ses aînés, de ses parents, il va forcément réussir. Je lui souhaite plein succès dans ce qu'il fait. Vraiment, il est une fierté. Je l'ai vu à la RTS, effectivement, j'ai dit, eh bien, dis donc, c'est un nouveau Senghor qui apparaît. En prenant le livre, tout de suite, on nous a appris à l'école. Quand vous prenez un nouveau livre, vous voulez savoir exactement ce qui est à l'intérieur du livre, vous lisez la dernière page de garde. J'ai lu, j'ai compris. L'histoire de Yadi Kone, nous autres, nous l'avons connue. Parce que Yadi Kone existait quand nous étions tout jeunes. Et donc, ça rappelle simplement l'histoire que nous avons vécue, que nous avons su, que nous avons compris. Et il y a quelques jours, à la télévision, il y avait une émission aussi. Parce que moi, je suis les émissions littéraires. Moi, je ne suis pas littéraire. Je suis un chercheur d'argent. Voilà. Alors, donc, je pense que Wally a suivi un peu mon chemin, mon cheminement. Hein? Mais bon, il est venu et il m'a dépassé. Félicitations, mes encouragements et bonjour à toute la famille qui est là. Hein? On vous aime, on vous respecte, on vous remercie pour cette solidarité familiale. C'est ça qu'il faut écouter. Mais ça, il faut être calé pour le faire. Les autres ne savent pas le faire. Hein? Voilà, merci et bon courage. Merci. Merci, monsieur le maire. À la suite du maire de Grand Dakar, monsieur Jean-Baptiste Diouf. Nous appelons sur le présidium le représentant de l'armement Sénégal, M. Koli. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, monsieur Dramin. Monsieur le maire de Passé-Zasséni, monsieur le maire de la commune de Grand Dakar, honorables invités en vos titres grades et qualités. C'est toujours un plaisir pour nous d'assister à des manifestations comme celle-ci parce que en 2009, quand nous créions l'Armatan Sénégal, nous étions point E, nous avions une vision, c'est de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais à travers des publications, à travers des cérémonies de dédicaces, à travers le fait de booster peut-être des journalistes pour qu'ils puissent animer davantage d'émissions littéraires. Et depuis lors, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter avec l'apport des autorités, avec l'apport aussi des autres maisons d'édition, qu'aujourd'hui, il ne se passe pas une seule semaine sans pour autant qu'il y ait une cérémonie de lancement d'un livre. Faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais, c'est également mener un combat contre une maladie qui est là et que nous tous voyons, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de lecteurs chaque année. Il y a un rapport dans les années 90, vers les années 2000, qui dit déjà qu'en dans ces années-là, qu'il y avait chaque année 2% de lecteurs qui diminuent parmi les lecteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de sortir un bouquin, de sortir un livre comme notre héros du jour, M. Modou Ali Diouf, vient de le faire, ça nous aide à combattre cela parce qu'il y a peut-être, je vais taquiner M. Dramé qui est à côté de moi, qui n'a peut-être pas lu depuis assez longtemps, mais qui a envie de découvrir ce que M. Mamadou Ali Diouf va faire, a écrit, va se remettre à la lecture. Et ça nous fait un lecteur de gagner. Et je voudrais véritablement qu'on applaudisse très très fort M. Ali Diouf pour son apport dans le combat que le gouvernement, que les autorités locales, que les maisons d'édition et que tous, même dans l'éducation, l'enseignement, nous sommes en train de mener pour au moins un jour avoir plus de lecteurs parce que, comme le dit, je crois que c'est Nelson Mandela, un peuple qui lit est un peuple qui dirige, un peuple qui gagne. A reading people is a leading people. Et donc, c'est dans cette perspective que nous considérons la lecture comme quelque chose de fondamentalement important. Et c'est en cela aussi que nous allons inviter nos autorités. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir deux maires qui sont là. Ce n'est pas chaque fois qu'on organise une cérémonie comme celle-ci qu'on a l'opportunité de voir des autorités venir assister, appuyer et dire aux gens que nous sommes là avec vous. Et ça, c'est extrêmement important. Et peut-être que ce n'est pas un meeting politique, mais je voudrais vraiment qu'on les applaudisse aussi pour ce geste extrêmement fort. C'est pas tout le temps qu'on a ça. Et les inviter également sur deux aspects. La première chose, je crois que le doyen Jean-Baptiste Diouf l'a dit, c'est d'écrire. Parce que chacun de nous a quelque chose à apporter. Mamadou Ali Diouf l'a fait, mais je crois que chacun d'entre nous a une histoire à raconter, a un parcours à partager avec les futures générations. Surtout le doyen Jean-Baptiste Diouf, je crois que Wally, on vous confie la mission de lui tordre la main pour qu'il publie quelque chose parce qu'il a tellement vécu de choses, d'expériences, que ce serait aujourd'hui, j'ai pas utilisé le mot crime, mais je crois que ce serait grave que vous ne sortiez pas un livre pour témoigner sur toutes ces années que vous avez vues. Vous avez vu beaucoup d'événements traverser ce pays-là et je crois que ce serait bien que vous le fassiez. Je ne vais pas être long, je voudrais tout simplement dire à Mamadou Ali que nous sommes très contents d'avoir travaillé avec vous. Le travail a été très fluide. Le comité de lecture déjà à l'unanimité, parce qu'on fait évaluer le texte à trois au moins évaluateurs souvent, et à l'unanimité, ils ont reconnu que ce texte-là a du potentiel, l'auteur a de l'imagination, la trame est bien écrite et la présentation est superbe. Donc je vous prie de continuer dans cette voie-là. Je prie Dieu que vous écriviez d'autres ouvrages et que notre collaboration ne se limite pas à ça. La deuxième donc, chose que je vais demander aux maires qui sont là, c'est d'aider davantage les auteurs qui sont dans leur localité, mais d'aider aussi le livre. Je crois qu'au passé, il y a un projet de ce genre-là. Et avec le maire, en principe, on devait en parler. Ça tombe bien, je viens de voir aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Colli, représentant de la maison d'édition Armatan Sénégal. Monsieur le maire de Passé-Zasséni, l'occasion faisant le larron, je vais vous saisir pour vous dire qu'au niveau de notre commune, il n'y a pas de bibliothèque municipale.
et ça n'est pas la lecture, ça n'est pas la production. Et nos élèves et autres férus de la lecture sont obligés d'aller ailleurs pour pouvoir se procurer des romans. Je pense que ensemble, on pourrait trouver une solution, encore que j'ai une proposition à vous faire. Certainement, je le ferai d'une manière épistolaire pour vous dire que on peut pallier à cela. Pour continuer, je vais donner la parole au représentant de la famille de Wally, son oncle, M. Robert Wally Faye, qui va venir prendre la parole au nom de la famille. Bonjour, mesdames, messieurs, honorables députés et maires ici présents à cette dédicace de notre neveu Mamadou Wally. Si mon oncle parle, j'ai plus rien à dire. C'est ce que nous demande la tradition célèbre, ce que l'Ibasso Wahé a montré leur tête, parce qu'il a tout dit. Mais les choses étant telles qu'elles sont, il faut qu'on parle un peu du gosse. Mais il n'est plus gosse, il est grand. Mamadou Wally. Et Mamadou Wally, depuis Colobane, je suis le premier à l'initier à la langue de Molière, à Colobane. Après maintenant, ses études primaires à l'école Sakoua-Badiane, il rentre au lycée de la Fosse. Après son bac G, il a fait l'université. Après l'université, il a quitté pour l'IAM, où il a eu son bachelor. Après sa sortie, beaucoup de membres de la famille l'ont aidé à trouver du boulot. En l'occurrence, M. Jean-Baptiste Diouf, son grand-père. Ensuite, M. Boukar Diom et Siré Nyan. C'est pour cela que l'homme m'a demandé de remercier vraiment à ces personnes à cette journée de dédicace. Sans oublier Angèle Badiad, Madame Fay, au niveau des Grands Moulins. Il a fait son stage. Ensuite, maintenant, là où il a subi vraiment une injustice, c'est au niveau de l'OHLEB où il a été introduit par M. Eladj Diouf. Eladj Faye, représenté par son épouse Awassaou. Il est revenu me dire: ah, tonton, j'ai quitté l'OHLEB, mais je vais les attaquer à la justice. Il dit: non, jeune homme, ça vaut pas la peine. Fonce, tu peux trouver meilleur. Et cette injustice est corrigée aujourd'hui pour la présentation de cette dédicace. Merci, jeune homme. Tu fais la fierté de toute la famille et de toute l'assemblée ici réunie et des parcelles assainies où tu vis. Merci beaucoup, jeune homme. Continue. C'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Merci, M. Faye. Avant de continuer, j'aurais souhaité, dans l'assistance, prendre une à deux personnes qui voudraient vraiment témoigner sur Wally. Venez, s'il vous plaît. Assalamu alaikum mbokk yi ma ngi nuyu ñep ku ci nekk ci tour ak sa sante du nuyu sunu maire yi nga xamne ño tok fi di nuyu assistance bi yep di wax ci touru Khalid Wally Diouf yi nga xamne
ñom la yag andal depuis biñu xalé di nuyu sama gaay tok ñom jaxa di nuyu ñep wa di wax né dégg na fi ci biir wax ci waxtaan bi ño xamné xeyna sorti livre bi daf leen bet mais man dama nan bet mo parce que mag mom yag nañ and ça fait 30 ans mag mom ak ñom jaxa ak ñi fi ak ñu bari ñu yag and ci ay milieu yu différent parce que wali il a commencé par la danse donc ñep xam nañ danse expression la bo xamne day véhiculer ay message après mu ñew ci musique je pense qu'il a eu à découvrir l'écriture par le biais de la musique parce que japp na ne fo la ñëk commencer bind donc man mi di wax mak mom yag nañ and di def musique ba après ku nekk jël sa yoon actuellement surveillant là à l'école Maria Magnas donc vraiment li ni bettumo bi mu amé lool la ko wax manako ñëpp xamoon nañ ne tay ji fi nga mëna mujjé donc mang koy remercier. Merci monsieur. Je pense que nous allons terminer la séance des discours avec le héros du jour, comme l'a dit tantôt ce monsieur qui vient de passer, notre auteur préféré, Mamoudou Wally Diouf. Mais avant que vous ne preniez la parole, j'aimerais faire un petit témoignage. Vous pouvez me mettre à mes côtés, s'il vous plaît. Vous savez, écrire n'est jamais facile. Encore si on habite des quartiers aussi populaires comme ceux des passages assainis, où vraiment la création... On est aussi là à la création. Et vous savez naturellement pourquoi. Parce que la concentration qu'il faut n'ici pas. Alors lui, s'il a réussi pendant 6 mois, comme il m'a dit, là, c'est 6 mois que vous avez écrit ce livre. 10 mois. C'est pendant 10 mois... Il a réussi vraiment à avoir la concentration qu'il faut pour nous sortir cette œuvre. Je pense que c'est à saluer. Il faut louer vraiment ce courage et cette audace. Mais surtout, l'envie de vouloir, court que court, produire un livre. Alors rien, absolument rien, ne le poussait ou ne l'indiquait à pouvoir réaliser cette œuvre. Quand j'ai fini le roman, la première question que je lui ai posée, je lui ai demandé qui étaient ses auteurs préférés. À ma grande surprise, il m'a répondu, je ne lis pas. Je lui ai dit que ce n'est pas vrai. Celui qui ne lit pas ne peut pas produire ce roman. C'est impossible. Il a insisté. Alors c'est dire que c'est quelqu'un qui a l'imagination fertile. C'est un talent à l'état pur. Il nous revient à nous tous ici présents d'essayer de lui donner... Vraiment, de par nos encouragements, de par nos moyens, mais aussi peut-être de par nos prières, ce qui lui manque pour être certainement l'un des dignes héritiers de Senghor. Je vous laisse la parole maintenant. Merci, Monsieur Bramin, d'avoir accepté de présider cette séance. Je sais que ce n'est pas facile. Tout d'abord, je dois dire que je suis la moyenne de toutes les personnes ici présentes. Je vais commencer mon discours par remercier. Remercier d'abord mon éditeur pour avoir fait confiance à mon texte et d'avoir mis en œuvre l'édition de celui-ci pour qu'il soit aujourd'hui ce roman que vous voyez, que vous avez. Je voudrais remercier mes parents et ma famille que je considère comme étant une bénédiction, un cadeau. Je fais une mention spéciale à mon oncle, Gabriel Ndafay, qui a cru en moi au moment où j'étais en proie à l'errance et
à l'oisiveté. Je rends hommage à nos morts qui ne sont plus là, mais je pense leur lumière nous éclaire toujours. Je veux citer parmi eux Gabriel Ndar Faye Famma, Pierre Bass, Mamadou Lamine Bob, Mignane Bob, pour ne citer que ces illustres. Je voudrais remercier particulièrement M. Djamil Sané, maire des parcelles Assénie, ainsi que M. Jean-Baptiste Diouf, maire de la commune de Grand Dakar, qui plus est mon grand-oncle, d'avoir honoré et rehaussé cette cérémonie de sa présence. Je remercie Tonton Wali pour avoir accepté de dire un mot au nom de toute la famille. Je remercie mes amis qui ont toujours été là dans les moments difficiles que dans les moments de joie, quelles que soient les circonstances. Je voudrais enfin remercier mes collègues du Saint-Réveil Reggae Evans. Je veux parler de Abdoulaye Ba, notre grand. Je veux aussi parler de Gérard Félicien Ndiaye, alias Kemtan, de Amdi Mustapha Fall, n'est-ce pas, avec qui j'ai cheminé pendant des années dans une activité qui nous grandit de jour en jour. Je voudrais enfin remercier les invités et tous ceux qui aiment le livre, tous ceux qui ont acheté ce livre. Alors, si je dois revenir, parce que je crois que M. le maire l'a déjà fait, il a déjà fait un bref exposé du roman, mais je voudrais quand même revenir là-dessus, comme on dit, la répétition est pédagogique. Alors, ce roman raconte l'histoire d'un jeune de la banlieue qui, accablé par le désespoir, affaibli, j'allais dire, par le désespoir, a cédé à la tentation de l'argent facile en allant s'initier ou intégrer le crime organisé. Alors, cette décision ou ce choix, il l'a fait juste parce que, à partir d'un moment, c'est pourquoi j'ai employé le mot affaibli, il était tellement vite qu'il croyait qu'il valait mieux pour lui qu'il intègre le crime organisé pour exister dans un monde où le matériel, n'est-ce pas, devenait l'objet central. Alors, après son initiation au crime organisé, étant entendu qu'il a pu, n'est-ce pas, trouver ou avoir ce qu'il voulait par rapport à l'existence dans un monde matériel, c'est après cette initiation et après que ses amis, comme on dit, on s'influence mutuellement, je l'ai dit à l'entame de mon propos, je suis la moindre de toutes les personnes ici présentes. Parce que chacune d'elles m'a influencé d'une manière ou d'une autre. Et je pense que les personnes ici présentes m'ont toutes influencé de manière positive. Alors, c'est lorsque ses amis, des gens que lui-même a intégré dans le crime organisé, ont été emprisonnés. Donc, par ses liens d'amitié, il a tout fait pour que ces gens sortent de leur situation de captivité, sortent de leur embastillement. Et pour cela, il n'avait que les chefs de la mafia pour l'aider à faire sortir ses amis de cette geôle.
Mais à sa grande surprise, il a découvert qu'au même titre que ses amis, il n'était rien d'autre qu'un pion sacrifiable, facilement sacrifiable sur l'échiquier. Et c'est alors qu'a sonné le réveil. Le réveil. Quand je parle du réveil, c'est dans un sens équivoque. Parce que je me dis que quand on se réveille tous les jours, on prend un nouveau départ, même si on a la même destination. Alors le réveil, c'est la prise de conscience de sa propre conscience. C'est comme ça que je veux le définir. La conscience, prise de conscience de sa propre conscience pour se dire qu'en réalité, nous avons ce qu'il nous faut. Toutes les richesses sont en nous. Il suffit juste de bien chercher et de chercher là où il faut et de s'autodiscipliner à trouver. Alors, c'est ce réveil-là, le réveil, de prendre conscience de soi et de se reconnecter à soi-même. Et se reconnecter à soi-même, pour moi, c'est d'aller loin dans notre histoire et de regarder notre histoire, de la reconnaître, n'est-ce pas, de se l'approprier et de la réécrire. Donc, c'est là qu'intervient le nouveau départ. Le nouveau départ apparaît comme un cri du cœur pour dire aux jeunes qu'il n'est jamais trop tard et qu'il n'y a jamais de fin en soi. C'est toujours un nouveau départ. Alors, ce roman pose la problématique de la question de savoir quel avenir pour nos pays, nos villes et nos jeunes. Cette jeunesse qui devrait être perçue comme une richesse et aujourd'hui regardée comme une menace. Alors, ce roman a pour objet, d'abord, de poser le débat par rapport aux questions géostratégiques face aux faiblesses de nos États et au manque de repères de nos jeunes. Alors, cela pose aussi la problématique et la question de l'enracinement face à l'ouverture forcée, comme ça que je le dis. Parce que comme disait Senghor, si je le paraphrase, s'enraciner profondément afin de s'ouvrir à l'universel. S'enraciner à un point où le mystique africain est mis en relief sans une bravade aucune de la logique. Je vais terminer pour dire que ce roman est le vôtre, que ce roman est le nôtre, que ce roman raconte notre vie, que ce roman est votre réalité. Et je vous dis que chacun d'entre vous pourra se retrouver dans sa propre réalité. Comme on dit, c'est une œuvre de fiction. Et la fiction, pour moi, c'est la distance entre un mensonge qui n'est pas un vrai mensonge et une vérité qui n'est pas la vérité. Donc peut-être que vous y trouverez votre vérité, vous y trouverez peut-être mon mensonge, mais cela reste votre livre parce que c'est vous qui me l'avez inspiré, c'est vous qui me l'avez donné. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Wali.
Maintenant, avant, s'il vous plaît, votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Bien, ok. Maintenant, avant que ne commence la séance des dédicaces, oui. Machallah tabarakallah mag jeukeram di dox ci digalul jeukeram fay biram benn gan ana fay ya fotal sa dom walidou tilim sa yaay da la fotal maga set machallah sa ñaanu baay gi dafa sax ci sa yaram nga bolé yar ak teggin bolé sutura ak taranga xam sey dekk kenn ku ne mag mu ne nga dox ciir. Voilà, je pense que nous allons maintenant démarrer la séance des dédicaces. Et apparemment, lui, il anticipe. Comme on dit, à tout honneur, tout seigneur, il commence.